Bonsoir et bienvenue à Bruxelles, non loin de la célèbre Grand Place, pour ce nouveau numéro de Place au Théâtre. Alors, ici nous sommes dans la Galerie du Roi, c'est-à-dire que c'est une galerie qui accueille toute une série de boutiques de luxe, de chocolateries, de restaurants en tout genre, mais pas seulement. Dans cet endroit idyllique, nous pouvons également trouver un théâtre, le Théâtre Royal des Galeries. C'est une perle tout droit sortie du 19e siècle que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Place au Théâtre. Vous présenter le Théâtre des Galeries en quelques mots, c'est difficile, bien sûr. Mais c'est avant tout un lieu important, un lieu historique, un lieu chargé d'histoire. Et puis c'est un des plus grands, voire le plus grand théâtre en activité dans la capitale. La salle fait quand même plus de 850 places. Elle existe depuis 1847 et elle est située dans un lieu merveilleux qui sont ces fameuses Galeries Royales Saint-Hubert. Le théâtre est un théâtre classique dans sa forme, dans ses couleurs aussi. C'est un théâtre en velours rouge et en or, bien sûr, avec des corbeilles, un balcon et un parterre. Le Théâtre Royal des Galeries a une longue et belle histoire derrière lui, puisqu'il fut construit en 1847, en même temps que les Galeries Royales Saint-Hubert. L'architecte, Jean-Pierre Cloysenard, n'hésita pas à innover dans la construction de ces galeries, en utilisant notamment le verre et le métal, pour donner à l'ensemble un style influencé par la Renaissance italienne. Depuis sa construction, donc en 1847, il a toujours été un théâtre. Il n'a jamais eu une autre activité que celle-là. Au 19e, bien sûr, c'est souvent des drames romantiques, c'est de l'opérette, bien sûr. Début 20e siècle, ce sont souvent les vedettes françaises qui animent les théâtres à Bruxelles. Et puis, dès le départ, avec également un ton de divertissement au Théâtre des Galeries qui s'y prête très bien. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et là, forcément, les vedettes françaises du théâtre de boulevard, comme on disait à l'époque, ne peuvent plus franchir les frontières. Et très logiquement, comme dans tous les théâtres à Bruxelles, ce sont les comédiens belges qui vont alors prendre la tête d'affiche, je dirais. Et le théâtre belge va naître en grande partie durant la guerre, assez curieusement. Et le Théâtre des Galeries n'échappera pas à la règle, puisque la Compagnie des Galeries va naître, elle, là aussi, dans l'immédiate après-guerre, en 1953. Et depuis, nous sommes là sans discontinuité depuis plus de 60 ans. Le prestige de la salle de spectacle est à couper le souffle. Si on lève les yeux, on peut apercevoir une extraordinaire fresque nuageuse, agrémentée d'un lustre monumental, où se retrouvent accrochés de mystérieux grelots en verre. Comment ne pas vous parler de cette grande salle, évidemment, avec ce plafond magnifique qui a été peint par Magritte. C'est un grand ciel, avec un très beau lustre en verre de Murano. Et ce ciel, peint par Magritte lors de la première rénovation du théâtre en 1951, a été imaginé par Magritte dans un premier temps avec des grelots, qu'on retrouve souvent dans l'œuvre de Magritte. Mais à l'époque, le projet, en 1951, était jugé trop audacieux, donc les grelots ont été refusés. Mais on garde la trace de ces grelots au musée Magritte. On a un carton avec vraiment le projet fait par Magritte. Lors de la récente rénovation de l'été passé, on a restauré complètement, entre autres, cette fresque et on a découvert ce que nous n'avions jamais vu, c'est-à-dire des lunes de jour, qui sont peut-être placées à l'emplacement où Magritte aurait voulu mettre ses grelots. Mais ces lunes avaient disparu, elles sont très pâles, mais avec la poussière et les années, on ne les voyait plus, et maintenant elles sont visibles et on en est ravis. Voilà près de 20 ans que David Michel, c'est le directeur du théâtre. Cet homme au parcours atypique a débuté sa carrière aux galeries à l'âge de 18 ans en tant que machiniste. Il a ensuite occupé à peu près toutes les fonctions qui existent au sein d'une salle de spectacle, c'est-à-dire décorateur, régisseur, technicien, comédien, ouvreur, avant d'obtenir 3 ans plus tard le poste de directeur. C'est donc avec tendresse et passion pour son théâtre et pour les personnes qui l'ont fait vivre qu'il nous évoque ses souvenirs. Beaucoup d'artistes m'ont touché, évidemment. On a en Belgique de très nombreux artistes très talentueux, pas toujours médiatisés autant qu'on pourrait le souhaiter, mais le niveau moyen belge du talent est énorme. Le Théâtre des Galeries se présente comme un lieu de divertissement où se côtoient avec plaisir des auteurs tels que Feydeau, Molière, Shakespeare, Tchekhov, Rekounet, Agatha Christie ou encore Éric-Emmanuel Schmitt, David Farao et bien d'autres encore, et où un soin tout particulier est donné à l'actualisation des classiques.
Il est clair qu'un bâtiment aussi important que le Théâtre des Galeries, qui comporte, je vous le disais, 850 places, qui est ouvert tous les jours, doit proposer une programmation très variée. C'est un peu notre force, je dirais, puisqu'il faut amener beaucoup de monde. Vous savez, tous les jours, 800 personnes à la salle demandent une programmation qui réponde évidemment aux attentes du plus grand nombre, tout en voulant bien sûr proposer des nouveautés, faire évoluer les gens. Et donc, dans la ligne éditoriale, il y a évidemment une notion de divertissement dans un premier temps, mais également un soin apporté aux pièces classiques et aux nouveaux auteurs qui ne sont jamais oubliés, bien sûr, sans oublier pour les périodes de fin d'année la traditionnelle revue du Théâtre des Galeries. Du mardi au dimanche, le Théâtre Royal des Galeries propose 6 spectacles par an. Et en 2015, en plus de la revue, 3 pièces de théâtre phares sont au programme. Choisir un spectacle phare dans une saison, c'est difficile pour un directeur, il a normalement toutes ses pièces. Là, il y en a encore 3 à venir. Pour ceux qui restent, important, puis on a une pièce sur Desproges aussi, enfin les textes de Desproges bien sûr, Vivons heureux en attendant la mort. Et on terminera avec une pièce fétiche à Bruxelles qui n'a plus été jouée depuis des décennies. Il s'agit de Bossemans et Coppenole. Un grand classique alors. Un grand classique. Il y a tellement de belles choses à voir ici que nous ne résistons pas à l'envie de vous montrer les coulisses du Théâtre Royal des Galeries. Et nous avons pour guide exceptionnel David Michels, le directeur, que nous allons suivre et qui va nous montrer tous les recoins de ce magnifique théâtre. Ici, on arrive en coulisses, côté jardin, comme l'on dit, et vous pouvez découvrir derrière moi une machinerie totalement neuve. Pendant plus de 100 ans, nous avons gardé une machinerie en bois, une machinerie d'époque, mais qui ne correspondait plus aux normes de sécurité actuelles, vous l'imaginez bien. Et donc, depuis un peu moins d'un an, on a une toute nouvelle machinerie qui permet d'abord de répondre aux normes de sécurité et puis d'être beaucoup plus utile et fonctionnelle. Ici, nous sommes à l'arrière du plateau avec l'accès aux loges. Suivez-moi. On va entrer par cette porte-ci, qui est la première loge près du plateau. Dans la période de la revue, qui est le cas pour l'instant, cette loge est occupée par Maria Del Rio. Et vous pouvez voir qu'il y a de très nombreux costumes dans cette loge, puisque Maria enchaîne sketchs et chansons de manière impressionnante, d'où toute sa garde-robe pour une seule soirée seulement. Ici, nous sommes dans une autre loge, toujours au rez-de-chaussée. C'est la loge occupée par les danseurs qui seront là pendant plus de 2 mois avec nous. La loge, entre autres, de Kylian, qui fait également Stromae dans la revue. Voilà sa loge avec la photo de ses enfants et de sa famille. Et là aussi, les nombreux costumes qu'ils devront mettre tout au long de la représentation. Ici, nous entrons dans une grande loge. Vous pouvez peut-être le voir déjà à l'écran. Il y a en fait 5 places ici pour les comédiens. Là, ce sont les hommes qui sont ici, les comédiens, qui vont donc jouer ce soir aussi, d'où toutes les nombreuses perruques, les costumes, les miroirs, les loges traditionnelles. Celle-ci est au premier étage, donc il faut un peu courir pour arriver sur le plateau, surtout pour les changements rapides. Et là, nous continuons à monter, encore un étage plus haut, et on va arriver bientôt au niveau de la couture. On passe d'abord par le local, dit le local à perruques. Et c'est ici qu'on entrepose une partie de nos perruques, d'où les têtes que vous voyez. De nombreuses perruques sont déjà utilisées dans le spectacle actuel, donc vous ne les voyez pas toutes, mais elles sont en grande partie ici. Ici, nous sommes dans le dernier étage de la partie technique du théâtre, les greniers. Ces greniers complètement rénovés à peu de temps, sont devenus la réserve costume du théâtre. On a plusieurs milliers de costumes, vous le voyez sans doute déjà. Ici, c'est la réserve de costumes civils contemporains, on va dire ça comme ça. Ici, nous sommes dans le grenier où nous mettons généralement les costumes de la revue, d'où le côté strass, paillettes, bien sûr.
Nous sommes ici au premier étage, les premières passerelles côté cour, comme l'on dit, et l'on voit les vestiges de l'ancienne machinerie de bois. Il faut bien se dire que tout ceci date de 1847 et peut encore fonctionner. Pour témoin, ces fils de chanvre qui sont là, on s'en sert très très peu maintenant bien sûr, c'est un témoin de l'époque puisque, comme je vous le disais, la machinerie a été entièrement rénovée côté jardin bien sûr. Après cette visite exceptionnelle des coulisses, je vous propose de nous intéresser maintenant au spectacle qu'il y a à l'affiche ici au Théâtre Royal des Galeries, c'est-à-dire la revue. La revue qui a lieu du 3 décembre au 25 janvier 2015. Alors c'est une flopée d'artistes que nous avons pu rencontrer et je vous propose de découvrir ce spectacle qui allie à la fois humour et satire et qui revient sur tous les événements heureux et surtout malheureux de l'année 2014. À vous de voir. C'est avant tout un spectacle de divertissement. Si on parle au sens large, ben voilà, ça chante, ça danse, et on passe entre guillemets en revue l'actualité de l'année écoulée. Voilà, ça c'est un peu le. Je dirais en gros, c'est des belles filles, des beaux hommes, des beaux comédiens, et alors des bons sketchs. Sur quoi ? Comment fonctionne la Belgique ? Donc, monsieur le Premier ministre, en mettant la LVA au. Encore une fois. Monsieur le Premier ministre. Je crois que je pourrais vous rendre vraiment heureuse. Pourquoi vous partez ? C'est un regard belge et bruxellois même. Hein. J'ai un humour. D'ailleurs, les Français reconnaissent. On a un second degré qui nous permet de pouvoir rire un peu de tout et de rien dans l'absurde. Enfin, d'ailleurs, si je veux parler égoïstement, c'est un peu moins mon dada, c'est aller un peu plus vers l'absurde. Quoi. J'aime bien ce côté un peu décalé, absurde et surréaliste. Comme nous le sommes en Belgique, à Bruxelles, hein, on est bien d'accord. Hein. Expliquez le fonctionnement de la Belgique en cinq lignes avec vos propres mots. Chaque sketch, chaque chanson, c'est une pièce à monter. La difficulté, c'est ça. Donc s'il y a 30 numéros, on monte en une fois 30 pièces différentes. Parce qu'il y a un début, un milieu, une fin. Et donc il faut trouver les intentions et amener le public à regarder. Un sketch peut faire 2 minutes. Mais il faut le même travail que pour un sketch de 10 minutes. Comme disait mon boulanger, pour faire un croissant ou un mini-croissant, c'est la même main-d'œuvre. C'est la matière qui est différente. Mais il faut le même temps pour faire le croissant. C'est un peu la même chose pour la pièce. Hi, I'm Lady Gaga, the queen of the pop. Et moi, je suis Flip, roi du flop de Belgique. Il y a plusieurs choses. Il y a les répétitions en elles-mêmes. Bon, ben là, on a un mois. Mais le gros avantage, c'est qu'on répète tous les jours. Donc c'est tous les jours. Donc je veux dire, une fois qu'on commence, on n'arrête plus. Mais avant ça, il y a tout un travail en amont où il faut imaginer. C'est le travail d'imagination à ce moment-là. On va vers quoi on va, qu'est-ce qui a marqué l'actualité, qu'est-ce qu'on pousse sur une chose, sur autre chose. Et puis alors il y a aussi, je dirais, le réflexe de l'improvisation au dernier moment. Parce que imaginons que demain la Suédoise tombe, ben, le spectacle continue. Et on ne peut pas se permettre de continuer avec les mêmes textes. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, hop, on va moduler les choses. Entre le moment où on a écrit pour Nabila, elle est partie en tôle. Ah ben voilà, donc hop, vous voyez, on doit pouvoir changer son fusil d'épaule et continuer les sketchs. Oh, la Belgique, pour moi, c'est la mixitude. Pour moi, c'est le domaine de l'impossible. Pour moi, c'est savoir dépasser ses limites. Et que ben, trop de sang belge. La difficulté quand on reçoit un sketch d'un auteur différent, c'est qu'il faut essayer de se mettre, un peu comme si on monte Molière demain, il faut essayer de se mettre dans la tête de Molière, de l'époque, des personnages, de la situation politique, de ce qui s'est passé avant, et se dire, bon, qu'est-ce qu'on va développer par rapport à ce qu'il a voulu dire à travers son texte. Ici, comme ça vient de moi, ben, je sais ce que j'ai voulu faire. Ah, hein. Oh, ben oui, excusez-moi, c'est pour mes amis francophones, j'aime beaucoup les francophones. Olivier Laurent, bonsoir. Vous êtes imitateur, comédien. Et alors, vous jouez ici dans la revue au Théâtre Royal des Galeries. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à l'une des institutions du Théâtre Royal des Galeries ?
Oh ben c'est une grande fierté parce que voilà, moi depuis tout petit, je connais le Théâtre des Galeries. J'ai évidemment connu aussi la période où Stéphane Steyman, qui est un ami à moi, m'a toujours dit que c'était un rêve de jouer là. Et je confirme, pour moi, tous les soirs, quand vous voyez ce théâtre, vous l'avez vu, je crois que vous l'avez vu dans les images, c'est juste extraordinaire. Il y a un public qui est chaud, il y a un public qui attend ça. Donc moi, c'est un vrai bonheur de partager avec plein d'autres la scène. Et c'est tous les soirs d'être là comme ça. C'est vrai que souvent, je prends même quelques secondes d'arrêt pour juste regarder la salle. Et je trouve ça formidable parce que c'est tellement beau. Il y a une chaleur, il y a de l'âme sur cette scène. Vous savez, à un moment donné, dans ce spectacle-ci, je fais un hommage a cappella à Yves Montand parce qu'il a chanté ici, Yves Montand. Et rien que ça, ça me donne des frissons. De penser à ça, ça me donne des frissons. Donc oui, je suis très très content d'être là. Alors, la revue est un spectacle, on peut le dire, satirique, légèrement. Alors, comment savoir jusqu'où on peut aller dans la satire? Quelle borne est-ce que vous vous mettez, vous? Mais j'en mets pas de borne. Mais je crois qu'à un moment donné, le public, malheureusement, c'est pas toujours ce que le public attend, quoi. On voudrait aller plus loin, mais je crois qu'on se fait des autocensures, entre guillemets. Et je crois qu'on est obligé aussi de faire ces autocensures. Parce que même, vous savez, ce qui est très surprenant à la revue, c'est que parfois, vous croyez qu'un sketch a fonctionné. Et vous dites sûr que celui-là va fonctionner, puis vous jouez devant le public, et puis, oh, bah non, finalement, c'est pas le grand succès. Et l'inverse aussi. Parfois, vous écrivez un sketch, vous faites un truc, moi, je suis pas sûr que ça va marcher, et ça marche. Donc voilà, donc, prenez l'exemple type que là, dans ce spectacle-ci, on m'a demandé de faire Cyril Hanouna. Moi, j'y croyais pas. Mais par contre, quand je vois les réactions du public, quand je vois les réactions des gens, tout le monde me dit, ouais, ton Cyril Hanouna, génial, super. Et moi, ah bon, voilà. Donc vous voyez, c'est très surprenant en fait. C'est ça, donc ouais, bah, c'est la surprise à chaque fois. Alors. Et alors, en tant qu'imitateur, quel est votre personnage artiste préféré? Quel personnage est-ce que vous avez le plus de plaisir à interpréter? J'en ai pas vraiment de préférence. Je me lasserai jamais de faire Jacques Brel, ça c'est clair. Mais je m'amuse bien en cette revue, en Sarkozy, en Hollande, en tout le monde aussi. Donc j'ai pas vraiment de préférence. En fait, on a toujours une certaine admiration, on a toujours une tendresse pour quelqu'un qu'on imite et on se donne à fond dedans. Donc, je pense qu'il n'y a pas de préférence comme ça, quoi. Juste un petit peu tout le monde, alors. Ouais, franchement, oui. Alors, est-ce que vous avez de nouveaux personnages en autre que Cyril Hanouna? Bah, sur cette revue-ci, on s'est gardé. Bon, il y a Cyril Hanouna, évidemment. Et sinon, c'est des grands classiques parce que le public le demande aussi. Donc, il y a Johnny Hallyday, il y a Stéphane Bern. Pas quand je me suis attaqué à Stéphane Bern. Il y a Stéphane Bern, il y a Jean-Marie Bigard, il y a Patrick Bruel, il y a Pavarotti. Donc c'est quand même très... Il y a plein de choses différentes, quoi. Oui, c'est un panel assez large. Ouais. Assez large. Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir alors avec autant de personnages aussi différents? Parfois c'est pas évident. Je peux vous dire que parfois c'est pas évident quand on fait une voix, on doit réfléchir, etc. Donc c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc j'essaie de me concentrer dessus et en fait, quand je vois la personne devant moi, ça veut dire que l'imitation est toujours là. Donc si je ne vois pas la personne, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et alors, pour vous imprégner de l'univers de ce personnage-là, alors comment est-ce que vous faites? Vous regardez les médias? Vous suivez son actualité? Écoutez, toutes les voies que je fais, c'est que je travaille surtout sur mon vélo, parce que je fais beaucoup de vélo. Je suis un sportif et j'aime beaucoup le vélo de route. Et quasi toutes mes voies que je fais en roulant en vélo. Ouais, c'est très super. Ou en voiture, quand je suis tout seul. Voilà. Et donc l'air libre vous apporte cette inspiration-là? Oui, c'est pas forcément regarder un DVD, c'est pas forcément regarder les images, c'est vraiment le côté écouter dans le casque et essayer de reproduire le son en faisant du vélo, en faisant du sport. Ouais. Oh, c'est magnifique, c'est surprenant. Et alors bon, cette pièce-ci, vous l'avez, la revue, vous avez joué quelques fois, enfin deux, trois fois. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer les spectateurs? Comment est-ce que les spectateurs accueillent ce spectacle? Ah, écoutez, super, franchement, les réactions qu'on a eues, les gens sont heureux. Et puis, vous savez, quand vous sortez, vous voyez très bien que les gens ont un visage heureux, les gens sont contents. Les gens passent une bonne soirée, c'est quand même un show plus de, je sais pas, 2h30 ou un truc comme ça. Et il n'y a pas personne m'a dit, il n'y a pas un moment où on s'est endormi, on voit personne qui dort dans la salle, il n'y a personne qui se barre, comme on dit, parce que parfois on voit des spectacles, c'est vrai, qu'on voit parfois des gens qui s'en vont. Là, les gens restent, sont heureux. Et vu l'applaudimètre à la fin du spectacle, je crois que c'est une grande réussite, ouais. Eh bien, c'est magnifique, on vous souhaite le meilleur alors pour jusqu'au 25 janvier. On aura le plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup participé à l'émission. Et alors, on vous dit les 5 lettres pour ce soir et pour les prochaines alors. Eh oui, mais on peut pas répondre à ça, mais je suis ravi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et voilà, c'est ici que se termine cette émission de Place au Théâtre consacrée au Théâtre Royal des Galeries. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle salle, un nouveau spectacle et de nouveaux comédiens. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes représentations, que ce soit ici, au Théâtre Royal des Galeries ou ailleurs. Bonsoir.